Bonjour. Albert reporter. Il est actuellement 7h du matin. On a dû dormir, je sais pas, genre. Franchement, pour ma part, j'ai dû dormir quoi, 3 heures. Ouais, je pense. Allez, moins 4 heures. C'est la. Ouais. C'est les premières minutes sans pluie depuis hier, 15 heures. C'est un enfer. On n'a plus d'eau. On n'a plus de club. On n'a plus. On n'a plus rien. On a la foi. On n'a plus que les larmes pour pleurer. La foi, elle est pas très présente non plus. Hein. Mais après, le cadre est pas mal. Ouais. Nous sommes actuellement dans la forêt tropicale. Mais de Sérésie. De Sérésie. Et des lucs qui ronflent. Ouais. Ah, oh, de ouf. On l'entend, il ronfler de ouf. Voilà. C'est le beau temps, ouais. Le soleil, la plage, les cocktails. Attends, il y a un peu son objectif. Café, genre la cache comme ça là. À 2h30 du matin. Ouais, non, il est 2h46 du matin. Il fait. Attends, j'ai regardé tout à l'heure. J'en tremble. Il fait 11 degrés. 11 degrés, ouais, j'ai le sucre. Ouais. 2h47 et on s'apprête à. Faire 3 heures de marche. Ouais, je sais pas si là on le vit bien ou pas. Pour l'instant, ça va. Albert reporter. Après avoir d'ici 10 minutes. 10 minutes, ça suffira, je pense. En tout cas, on ressemble à des petites lucioles. Oui. Ou à des gros vers luisants, je sais pas trop. Ouf. Et préservatifs luisants. Quelle heure? Elle est 5h25. Je répète pas. 5h25, il doit faire 2 degrés à tous les deux. Mais on y est. On l'a fait. On l'a chié. Ah, attends, il faut aller voir les mamans. C'est que la maman.
rentrée de cette rando du feu de Dieu où en fait on a fait l'ascension du piton de la Fournaise de nuit, donc c'était vraiment hyper cool, trop à faire, peut-être pas à refaire, mais c'était super cool. On a marché pendant combien de temps? Pendant quasiment 5 heures. Et il y avait 2 heures de route aller, 2 heures de route retour. Et après là, avant de rentrer à l'appart, on est allé chercher avec Charline, ma coloc, notre voiture. Parce que ça y est, on a enfin trouvé une voiture en location pour un mois. Faut savoir qu'ici, sur l'île, c'est hyper compliqué de trouver des voitures. Même d'en louer, ça coûte un bras. Là, on a trouvé quelqu'un qui nous arnaquait pas trop. Enfin, on pense qu'on s'est pas trop fait arnaquer. Donc voilà, donc ça va être cool parce qu'on va pouvoir vachement plus bouger parce qu'on aura une voiture que pour toutes les deux, donc ça va être super cool. Et là il va être temps d'aller se coucher parce que ça fait plus de 24 heures qu'on n'a pas dormi, avec 5 heures de rando, 4 heures de route, on est claqué au sol.